Thomas Long, Vastringa vient de renouer avec le succès. On peut dire que c'était un succès attendu? Oui, parce que la dernière fois, c'était à La Capelle, une semaine avant. J'avais entrée de ligne droite, j'ai pris l'avantage, j'avais course gagnée, j'avais plus qu'à assurer jusqu'au poteau. Et d'un seul coup, il a fait la faute, il m'a exposé des 4. J'avais un petit peu allongé l'enraînement, je pense que c'est la raison. Et là, on l'a recouru comme avant et il s'est baladé, c'était très facile pour lui. C'est vrai que des fois, il y a des bonnes performances et derrière, quelques contre-performances. Bah, des fois, c'est un petit peu de sa faute, des fois, c'est peut-être un petit peu aussi de la mienne, mais bon, c'est un bon cheval. Comment vous l'abordez, l'engagement de lundi, alors? Le cheval reste bien, on va voir. Bon, il y a une chose assez étrange, c'est qu'il a couru 8 fois à Vincennes, je crois, 7 disqualifications, une 8e place. Ouais, mais coïncidence? Bon, après, oui et non, parce qu'il y a plusieurs fois où c'était avec moi, et bon, bah, quand c'est ça, forcément, il n'a pas toutes ses chances. Et quand il a eu un pilote, il n'était pas forcément toujours au mieux, le cheval. Même si je crois me souvenir qu'une fois avec Franck Nivard, il s'apprête à jouer les premiers rôles quand il avait fait la faute. Oui, c'est vrai. Non, il est pas évident, il est comme ça. Bon. Faut que ça se passe bien. Mais quand il est dans un bon état de forme, en règle générale, il est un peu plus maniable. Il n'y a pas trop de logique avec lui. Ça dépend. Ça dépend de son humeur et de ses amis. Bon, là, l'engagement est alléchant. Ben voilà, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'on en fait alors? Alors là, je ne peux pas vous aider. Bon, on peut dire que vous seriez déçu s'il courait mal. Oui, si oui, c'est le vrai Vastringa, il a sa place dans les 5. Si jamais il reste trop, qu'il a le bon parcours, normalement sa place est dans les 5.